gars comme Zipex seront jamais récompensés, tu vois. Quand tu vois des gars bah, comme Zipex, ouais, ok. Salut Frégos. Salut. Il y a des gens dispo pour Last une game avec moi pour CS. Ah merde! C'est PUBG ici, je me suis trompé. Ouais, voilà, désolé mec. Ouais, pas de soucis. Bah après le jeu je l'ai mais j'ai pas un niveau de ouf. Sur Strike on est argent 1 et argent 3. Comment? Argent 1. Ah bah ça va, c'est pas loin de moi, moi je suis Nova. Ah bah Je suis avec c'est les bon. étoiles. Ah ouais, je pense que tu dois être un peu plus fort donc pour jouer ensemble. Ouais, bah nickel, parce qu'en fait je suis allé sur d'autres DTS de poteau et il y a personne en fait de dispo. Ah tu Et comme j'ai pas envie de dormir à cette heure-là, les gars, je cherche des teammates avec qui jouer parce que j'en ai marre de tomber avec des Russes. m'étonnes. Ah tu m'étonnes, c'est toxique les Russes. Mais Ils devraient grave. avoir des serveurs perso juste pour eux, tu vois, des serveurs de Et Russes. au bac, c'était admin? T'es staff helper? Oui. C'est-à-dire, c'est quoi ton rôle? Bah pas grand chose. Mais déjà, je trouve ça impressionnant d'avoir un mec du staff qui s'occupe de l'accueil. Genre, il est presque 2h du mat et t'es là pour accueillir les nouveaux. C'est ouf. Ouais, c'est ouf, hein. C'est le TS de l'année. Il n'y a personne qui me casse les couilles. Tous les étrangers ne peuvent pas se connecter parce qu'il a été scripté. Ouais. C'est magnifique. Là, c'est full français, là. C'est fou le français. Non, mais rien que j'arrive, la mentalité elle est trop bonne en plus. Moi, une fois, je suis tombé sur un TS, j'étais tombé avec des trolls qui m'ont insulté direct en me disant ouais, t'es un pige, tu parles mal. Après, les étrangers, j'espère que c'est genre des maghrébins que vous voulez pas, non, ici. Non, 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 c'est pas une question Les raciale, hein, Asiates aussi. Les c'est... Russes. On adore les Asiates, on adore ça. Bah après moi ça me dérange pas, si vous votez FN les gars, moi dans ma famille, Non, non, non. ils sont pour FN, hein. On est sur Internet, on Oh n'est pas là là. grillé les gars, on est Moi, tranquille. Hein. je suis pour l'unité. Pour un Ouais. peuple uni, peu importe la couleur, ah, ça c'est pas un problème ça. Je suis C'est dans ton d'accord. cœur qui compte. Tu peux être noir et avoir un cœur blanc, mon frère. Tu peux être, également tu peux être jaune et avoir un cœur gris. Mais ça c'est différent ça. Oui, mais bon, s'il est gris, c'est que t'es pas bien, tu vois. C'est juste noir ou blanc, tu vois. Tu peux être même Et un blanc et cœur avoir un cœur blanc, est-ce noir. que... Oui, si tu peux être blanc, le problème c'est la couleur noire qui pose le souci, Ah, effectivement. et fait, oui, enfin, que dans le cœur aussi, pas Dans le sur la cœur, peau. ouais. Bien sûr, je fais pas d'amalgame. Regarde-moi bien en face, tu n'es qu'un sale noir. D'ailleurs, j'ai une chanson pour ça. 15 ans, on sourit. Tout ce qu'on nous donne, moi j'ai tout essayé, mais rien n'y fait. Je m'appelle Frigose, Mycose, Esquimose. Je veux ma dose. J'ai regardé la télé pendant le téléthon, tu le sais. Il y avait une meuf qui avait une sclérose en plate. Et je l'ai regardée, je me suis moqué d'elle. Le lendemain, j'étais vraiment trop triste. J'ai tenu ma pose sur la pose RPK, sur Mirage. On m'a dit que j'étais un virtuose avec mon deagle. J'adore mettre des one shot. Je les dose bien sous hypnose. Je les dose bien sous hypnose. Parce que j'ai une schizonévrose. Rappelle-toi quand je l'ai léché la e-girl, sa cyprine. C'est vraiment 12 ans d'âge. Elle était vraiment trop bonne. Je l'ai fait zigzags avec mon doigt, la technique d'Aker. Technique d'Aker avec le pouce quand je la prends en le.
J'étais à la cantine. On m'a demandé de manger du pot rose, du pot rose. Je n'aime pas vraiment ça. Fricose, c'est mon pseudo. Un jour, je monterai global. Je serai un grand artiste. Parce que je tiens ma pose. Voilà. C'était beau, hein. Merci. J'étais en osmose. En osmose avec ma bite et mon skate. Super bon, ce burger. Je t'ai inspiré, là. C'est pour ça que j'ai sorti direct la guitare. T'es un tueur. Merci, Deka. Je t'aime. Bah, si j'ai pu égayer votre soirée, les gars. Ah bah oui. Il va falloir que je me sorte les maracas du cul, quoi, pour proposer notre chanson. Merci beaucoup, les gars. Franchement, toi, je crois que je t'aime. La vérité, je t'aime. Ah, il n'y a que de l'amour ici. Bah, je reviendrai. Hein. Merci beaucoup, Obax, pour le serveur aussi. Tiens, t'en sers. Il n'y a pas de souci. Obax, quand il s'agit de déconner, je réponds présent mon adjudant. Mais quand il s'agit de tenir sa pose et tenir le serve contre les gens, les méchants, les Russes et les gens qui trollent, tu réponds quoi? Présent mon adjudant. Attention, Deka, tu vas faire Daronhead. Non, tranquille, c'est ma femme qui dort, quoi. C'est plutôt la PC, tu vois. C'est dans mon défi. Alors. C'est ça, l'avantage de vivre seul dans son appartement. J'aimerais tellement vivre seul. Je suis triste. Je me sens seul. Vous m'avez sauvé ma soirée. C'est une chanson pour vous remercier. Obax et Deka. Je vous aime. Oh là là. Je zizi tout dur quand je pense à vous. Pas rien. C'est beau, hein. Vraiment les petits clap-clap comme ça, ça me rappelle les fab-fab que je faisais quand j'avais 12 ans. Sur un bon petit magazine entrevue. Avec Carole Quintaine en première de couve. Est-ce que je me branle l'accès sur elle? Je suis cruel. Et tu fais quoi la nuit? Tu t'écris tes chansons, des trucs comme ça ou... Ouais, c'est ça, bah, je compose, voilà, tranquille, tout ça. Bah, des fois, je cherche l'inspiration sur les serveurs FFA, des fois, il y a des personnes qui me parlent, je les troll un petit peu, et du coup, réplique en réplique, de sclérose en plaque et en numérose, en esquimose, bah, des fois, ça me trouve, des fois, ça me prend d'aller de serveurs vocaux, et c'est comme ça que je décroche sur mon transpondeur, hein, et puis voilà, quoi. Ah, d'accord, ok. Donc du coup, je traîne sur les différents serveurs très tard la nuit et ça me fait plaisir de parler aux gens. Je suis un petit peu un troubadour, quoi. Merci Morino. Par contre, donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui vient de s'abonner à ma chaîne. Pardon ? Obax, il a un talent dans la chanson et je voudrais vraiment qu'il fasse un petit feat avec toi. Merci, Deka. Bah, l'occasion, voilà. Avec un instrument ou juste la voix peut-être comme ça en tous les deux. Non. Non, c'est bon, il y a pas besoin. C'est de faire le. Oh là là, quel horaire.
je sais pas chanter, moi. Attends deux secondes. Oh, merci. Je viens de recevoir une super bonne nouvelle. Qu'est-elle? J'ai un cousin. Il est positif. Ah, à quoi? Ah, oh, merde. Ah, oh, non. Il est séropositif. Ah, oh, mon Dieu. C'est la douche froide. Si c'est que le cousin, ça passe. Si j'étais une femme, je me baiserais. Nounours, si tu me regardes, dédicace à Nounours, mon Nounours avec qui était plus souvent entre les jambes de ma sœur qu'avec moi, je dédicace cette chanson. Nounours! Dans deux secondes. Attends deux secondes, attendez. Je me suis muté quoi? Mais il est sérieux le nounours? Il en a offert combien là hein? Mais les gars, vous me le dites même pas sur le chat. Je suis en excès de jizz. Ça va quoi Bud? Ça va bien? Ouais. Tranquille. Ouais mais voilà, désolé, je viens d'apprendre une bonne nouvelle les gars. Oh putain. C'est cool. C'est quoi la nouvelle mon frère? C'est que je viens d'avoir un bot rush sur ma chaîne YouTube. Genre je suis passé à 154 abonnés à 200 abonnés. C'est un pote qui m'a dit qu'il avait des bots. Et là ça vient de passer. On envoie des mails en fait à des organismes pour nous faire follow. Oh putain. S'il y a un peu de chance avant la fin de l'année, je leur aurai les 1000 abonnés. Oh putain, je perds Saxe. Je serai le plus grand YouTuber. Je suis diabolique. Et même parabolique. Non, c'est quoi ça? Super bon Spurker de Schneck! Salade de chatte! C'est qui, oui? C'est moi. Toi, tu. Il se passe quoi là? J'ai longtemps parcouru son cœur effleuré 100 fois sa petite schneck. J'ai mon cou et même quelques étoiles dans le ciel d'Akaer. Je prends mon chiffre à l'humain sans rien lui dire, tu le sais. Merci d'avoir lancé ma vie. Allez tous ensemble avec moi. J'ai ouais, Olympia. Vous m'entendez? Ouais. Avec ouais, moi ouais. Je vous aime. Gros hé. Ta merde la gueule. Yeah.
Zibo, c'est pour toi. Zibo. Fisse-moi bien ma bite là. Ah, c'est beau. D'accord, putain, mais... C'est sérieux, là? Ah, j'ai la 2000, hein. Putain. Les gars... Je comprends ouais, rien bon, ce les... qui se passe. Bah, y a, rien à... y a rien à comprendre, c'est juste que tout à l'heure, j'ai tronché ta sœur. Elle est caissière. C'est courant. Oh non. Il fallait bien que je dérape, parce que je suis un peu genouné. Je suis diabolique. Ne l'oubliez jamais. Ta sœur derrière le coureur, on sait très bien ce qu'elle fait. Elle dit le pack des fringues, hein. Oh, je sais très bien qu'elle a un passif chez Eram et qu'elle s'en elle se foutait dans sa steak des putains de talons aiguilles. T'entends ce que je suis en train de te dire? Des putains de talons aiguilles qu'elle se foutait dans le nombril jusqu'à rentrer dans sa putain de steak. Non. Et tu crois que je l'ai pas vu là, hein? J'ai fait un Too Good To Go récemment. Je suis allé dans un centre commercial pour récupérer ma commande et j'ai vu ton grand-père en train de faire la toupie en plein milieu du centre commercial. Ton grand-père en train de faire une toupie. Je l'ai overwatch, je l'ai mis à 4 sur 4 Starbucks. Et je suis cruel, hein. Oh non. Possédé le mec. Allez, ça fait frigo, c'est tout pour moi. Je décroche. Et n'oubliez pas, la vie est une fête. Je vais aller me goder. Ciao, ciao les gars. Je vais me goder tranquillement, ça va? Hein? Ah oui! Me goder, oui, me goder! D'accord! Super bon! T'adores! Hein, tu rigoles comme ça? Ça plaît! Hein, en double gode, allez, suce-toi!